Les funérailles du prince Philippe sont prévues pour le samedi 17 avril 2021. Alors que la reine Elizabeth II se prépare à lui faire ses adieux, celle-ci est prévue de passer un petit moment en compagnie du défunt. Suite à la disparition du prince Philippe, le monde énormément été bouleversé. Si les préparatifs de la cérémonie d'inhumation vont bon trait, les médias restent à l'affût de toute donnée sur le sujet. Sont plus tard de couvrir cette information selon laquelle la reine Elizabeth va passer un dernier moment avec son défunt époux avant que celui-ci ne soit définitivement sous terre. La reine Elizabeth II et le duc d'Édimbourg quittent l'abbaye de Westminster. Photo Getty Images. Une cérémonie bien organisée comme mentionné plus haut, c'est le 17 avril 2020 et la famille royale va faire ses adieux au prince Philippe. Souvenez-vous que le duc d'Édimbourg s'en est allé alors qu'il était à la porte de ses 100 ans. Selon les informations, celui-ci avait déjà prévu le déroulement de ses funérailles. Ainsi que ses instructions ont été suivies, la cérémonie funéraire va se dérouler en petit comité. Mariage d'Elizabeth II et du lieutenant Philippe Mountbatten. Photo Getty Images. Elle soutiendrait la chapelle de Windsor qui ne comptabiliserait que 30 pouces vitrés. Une dernière minute d'après le média, avant que le cercueil du prince ne soit emmené par le cortège, la reine Elizabeth devait s'octroyer un moment de réflexion avec le corps du prince. Une dernière fois avant le début de la cérémonie. Mariage d'Elizabeth II et du lieutenant Philippe Mountbatten. Photo Getty Images. Il faut dire que celle-ci était profondément attachée à son épée qui était toujours restée à ses côtés. Il est tout simplement été de force pendant toutes ces années, témoin, toute sa famille, vu de ce pays et bien d'autres. Lui devoue une dette plus grande qu'il n'aurait jamais réclamée, la date des funérailles du prince. Philippe est donc bien fixé. Cependant, à cause de quelques contraintes, celle-ci s'organise à un petit comité. Zoom sur cette information. Le prince Philippe, lors d'une visite au siège de l'escadron 603 et Royal Auxiliary Air Force le 4 juillet 2015. Photo Getty Images.